super cerf-volant. Merci l'Autriche. Bon voilà, je viens de terminer une séance de photos sur le sommet d'une colline là, près d'une tour qui se trouve à Grabel, c'est dans le sud de la France. Il y a un vent de 70 km/h. C'est un endroit certainement les plus difficiles que je connaisse autour de chez moi pour pouvoir faire voler un cerf-volant et surtout faire de la photographie aérienne. Donc, je viens de finir une séance de cap à 150 mètres du sol pour voir un petit peu l'environnement autour de cette tour et de grands travaux qui ont été démarrés pour un contournement de Montpellier, Montpellier Nord. Voilà, donc je dis merci à notre ami, je crois que c'est John, l'Autrichien, qui a mis au point ce cerf-volant Delta pour le cap. À mon avis, c'est un des meilleurs cerf-volants qui existent actuellement. Ce cerf-volant, je lui ai simplement rajouté derrière un bout de 3 mètres de long qui l'a stabilisé, parce que vraiment on est sur le sommet d'une colline avec des effets de tremplin aérologique et puis de turbulence assez important. Voilà, donc je vais maintenant le ramener et voir si tout se passe bien jusqu'au retour maintenant du cerf-volant après avoir ramené la caméra. Cet Autrichien qui a créé ce cerf-volant n'est pas sur les réseaux sociaux. Je cherche ses coordonnées pour le remercier de vive voix. Si jamais vous les avez, n'hésitez pas à me les transmettre. En tout cas, un grand coup de chapeau pour ce Delta dont je vous ai mis des plans sur Cap, KAP. Voilà, j'espère qu'il fera des petits. Alors, à savoir qu'il fonctionne aussi bien en spinnaker, comme c'est le cas de celui-ci, qu'en tissu à drapeau. Cette fois-ci pour des vents beaucoup plus violents, jusqu'à 100 km/h. Et ben merci à ce monsieur, parce que grâce à lui, j'ai certainement fait aujourd'hui de très très belles vues, parce que nous sommes sur un vent assez puissant, avec c'est une tramontane, avec des effets d'ondes et des nuages lenticulaires au coucher du soleil. C'est absolument superbe. Vous verrez, enfin on verra au développement des photos. Allez, bonne fête de fin d'année à tous, et puis à bientôt dans le ciel ou sur terre. Thank you.